$10 from Eladath237. Doctors Without Borders, like doctors doing out of bounds. Now that's speedrunning. So right now we are setting up for the Freedom Planet race, which will be between Johan Howitzer and my Lexi. Donc voilà, normalement on est de retour. Donc on va attendre le prochain setup pour le prochain jeu qui est Freedom Planet. Donc là j'ai balancé un petit peu de pub. Et on revient dans un instant. $30 from LisaMC105. Shout out to Ryan, Tony. Great job, you guys. Love watching you two play. Player's choice for challenges. Do a quick shout out to the Yeti, one of the fantastic sponsors of this GDQ event. The Yeti, today's tea for your torso. They've been supporting Games Done Quick events with teas since 2012, and $3 from every $11 tea goes right to Doctors Without Borders. Special thanks to all the amazing artists who contributed their amazing talents to create this year's shirts. Bon, du coup, je suppose que la pub est finie par chez vous. Bon, je vous rassure, ce n'est pas moi et mon incompétence qui allons faire cette run. De retour, hein. Je vois dans le chat, on s'inquiète. Et voilà, j'accueille. Alors, je sais même pas comment on prononce son pseudo. Aidail, je l'ai vu sur le TS. Ah non, c'est pas Aidail, pardon. Non, c'est pas Eli qui parle, c'est Gekuri. Bonsoir. Alors, je l'ai vu sur le TS, au pire on va le faire monter. J'espère qu'il est prêt. C'est terrible, quand on connaît pas la voix des gens, on sait pas qui est en train de nous parler. Si TS m'embête pas, ce serait cool. Bonsoir Aidai. Allô. Oui, salut tout le monde. Salut. Ah, salut. Voilà. Alors c'est bon, normalement, je devrais être à peu près calé sur vous correctement. On fera un point timer dès le début. Ouais, ça marche. Ça va, niveau son, ça va. Ok, bah tant mieux. Tout va bien. Alors du coup, ben, je suppose... Non, ils ont pas encore démarré, ils sont en train de s'amuser quelques minutes sur sur un jeu à part. Le temps que la race démarre et qu'il fasse le setup. Alors du coup, bon, je commence à parler de Freedom Planet maintenant, on attend un petit peu de la run, que tout le monde soit là. On va peut-être attendre un peu. Bah du coup, moi je vais te laisser, hein, s'il y a besoin de backup, je suis dans le coin. Y'a pas de soucis, tu peux te poser. Puis,
À bi à bientôt, Aucun à bientôt problème. pour les autres. À bientôt, merci. Ouais. Alors, du coup, je vais mettre sur le StreamOS, comme ça, il n'y aura pas de problème de timer, ça devrait aller. Donc, on va faire un petit point vite fait sur le jeu en lui-même et sur les runners. Donc, tout d'abord, alors on va parler des runners, ce sera plus court. Vous avez là, c'est tout simplement les deux meilleurs runners de Freedom Planet existent. Donc Milexi, qui a le world record, et alors je sais pas du tout comment on prononce son pseudo, mais on va dire Johan Itzer, qui a le deuxième meilleur temps à 12 secondes de Milexi. Donc à noter que la run, le world record est en battu. Donc 49 minutes et 20 secondes en real time, et en... Donc on calcule surtout le temps en in-game time, 39 minutes et 46 secondes. Voilà. Alors, donc ils vont démarrer. Donc ça démarre très très vite. Hein. Alors on juste va faire un petit point sur le jeu, je sais pas toutes les particularités. Un tout petit point timer. Chose, de toute façon, rien n'est unique, à peu près. Donc, allô. Freedom Planet est un jeu qui est sorti... sur PC, donc l'année dernière, il est sorti sur PC l'an dernier. Il est parti d'un Kickstarter à la base, donc deux ans auparavant, un an auparavant, j'avoue, j'ai un petit doute sur la date. 2000 dollars, il en a eu 28 000, qui lui a permis de sortir le jeu qu'il voulait, en refaisant les graphismes et tout ça, enfin bref, tout le nécessaire. Et donc, le jeu a Monsieur Ayla, je te coupe juste vite fait, on fait un petit point timer, donc là 50, 51, 52, 53. Alors moi je suis à 53, 58 là. Bon, t'as juste une petite seconde d'avance, mais tout va bien. Bon commentaire, à tout à l'heure. Très bien. Alors du coup je disais, Freedom Planet a été vendu à la base comme un fan game de Sonic. Donc en fait. À la base, c'était ça. Il a été créé comme un fan game de Sonic. Même le personnage principal, donc Lilac, qui est un dragon du jeu, était un hérisson. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu a été développé un fan moteur de Sonic. Donc, c'est en gros, c'est des fans qui ont fabriqué un moteur de Sonic, tout simplement, pour faire des jeux Sonic. Et le jeu a été fait. À la base avec ce moteur, donc ils ont ensuite réadapté, qu'ils ont refait, qu'ils ont retravaillé tout ça pour avoir Freedom Planet très similaire au jeu. Ils ont juste changé quelques points, et donc c'est pour ça qu'on note beaucoup beaucoup de ressemblances entre les deux jeux. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux jeux que ça en fait forcément une pâle copie de Sonic, et on en est très très loin. Freedom Planet est un jeu à part entière, et il a ses propres idées de gameplay, il a son scénario, il a son histoire, bref, tout a été fait pour que le jeu se démarque de Sonic, et c'est à mon sens très très réussi. Donc, voilà, maintenant que je vous ai un petit peu parlé du jeu, on va pouvoir parler de la run. Donc, Lilac, personnage qu'on joue, c'est le personnage principal du jeu, en gros, c'est considéré comme l'héroïne du jeu, tout simplement. Et donc, c'est considéré comme le personnage rapide. Alors, petite anecdote sympa, elle est considérée comme le personnage rapide, mais c'est pourtant pas elle qui a la run la plus rapide du jeu. Il y a un petit tricks avec l'un des autres personnages qui permet d'aller beaucoup plus vite et donc de gagner beaucoup, beaucoup de temps, même si le personnage est à la base moins rapide. Effectivement, c'est Edeilnir. Alors, au niveau des mouvements, vous avez déjà vu beaucoup beaucoup de choses. C'est très très dense, la palette de coups est assez assez vaste sur chacun des personnages en plus, donc c'est vraiment vraiment bon à prendre. Donc, le personnage peut courir, sauter, tout bêtement. Ensuite, on peut taper de plusieurs façons différentes. On peut faire un coup standard simplement en appuyant sur la touche d'attaque, en appuyant sur la touche. Et la touche d'attaque, on fait un uppercut, donc ce qui permet de prendre un petit peu de hauteur et de ne pas forcément perdre sa vitesse quand on court. Donc en fait, on court, on fait un uppercut, on va ratterrir, on va garder la même vitesse qu'on avait, ou à peu près, on va en perdre seulement un petit peu, ça dépend comment on gère le coup. On a une attaque basse qui est très très peu utile, ou qu'on utilisera, si je dis pas de bêtises, jamais dans la run. Un dive kick, donc qui permet en fait, c'est une attaque descendante, souvent, ils s'en servent tout particulièrement dans les descentes pour prendre énormément
énormément de vitesse, parce qu'en fait, le personnage va cumuler sa vitesse de descente sur la pente, et donc ce qui va faire que très très vite, d'un coup. Et donc c'est très très utile, il faut s'en servir assez souvent. Et ensuite, une autre attaque, donc l'attaque spéciale, qui est... on va appeler ça l'attaque boost. Et donc en fait, c'est avec la petite jauge bleue que vous voyez en haut, à gauche, qui se remplit au fur et à mesure, quand on ramasse des gemmes bleues, et en fait quand on utilise l'attaque, donc le Dragon Boost, la jauge va se vider et le personnage va prendre beaucoup de vitesse subitement, et donc c'est toute la run est basée là-dessus, en fait, sur le placement des Dragon Boost au bon endroit dans le niveau, le chargement de la jauge au bon moment pour utiliser justement les Dragon Boost là où il faut et tout ça. Donc on vient de voir on a vu un zip déjà, je vais l'expliquer, je sais j'ai un petit peu de retard, on a vu un zip. Un premier zip. Alors, à noter qu'en fait, le jeu fonctionne d'une certaine façon. C'est que le jeu va, quand le personnage est écrasé, si le jeu ne considère pas que le personnage meurt pour que le personnage meure, le jeu va automatiquement nous téléporter sur la zone où le personnage n'est pas écrasé, entre guillemets, là où les collisions du personnage sont libres, porter en hauteur jusqu'à ce qu'il trouve un point où le personnage pourra se poser sans souci. Et donc là, comme on a vu, en fait, il nous a téléporté en hauteur. Et on a pu se poser sur la partie Ivo et donc skip une petite partie, c'est-à-dire l'ouverture, le revenir sur le chemin, ouvrir une porte et tout ça, ce qui faisait perdre un peu de temps. Et en plus décharger les collisions d'un mur, on a pu passer au travers et donc cuter un petit peu le niveau. Donc ça va très très vite, je suis désolé. Je vais essayer de commenter au mieux et de regarder vos questions dans le chat. Ça va pas être simple. Mais bon, c'est Freedom Planet le jeu. Il est actuellement sur le Humble Bundle d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le weekly. Si ça vous intéresse, achetez-le. Honnêtement, c'est vraiment un très 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 bon jeu. C'est le meilleur entre guillemets Sonic qui est sorti depuis très longtemps. Donc si ce style de jeu, si le style de jeu de plateforme vous plaît, vraiment Freedom Planet, c'est vraiment une perle de la plateforme dans ce style-là. Faut pas hésiter à aller voir. Voilà. Donc le jeu va sortir sur Wii U, si je dis pas de bêtises, et une mise à jour gratuite est prévue. Alors on sait pas exactement pourquoi, on n'a pas de date, mais le jeu a une mise à jour gratuite donc prévue avec deux nouveaux personnages jouables, les deux autres personnages principaux du jeu. Je sais pas s'il y aura des niveaux supplémentaires, j'en ai aucune idée, je vous avoue. Mais voilà, donc il y aura du nouveau contenu, des nouvelles histoires, et surtout, un truc que j'ai pas du tout expliqué au début, mais que je vais faire maintenant du coup, parce que j'y pense, les runners sont dans le mode classique en fait. Il faut savoir que c'est pas juste un enchaînement de niveau comme ça, juste pour le fun, comme dans un sens. Non, non, ça a vraiment un sens. Il y a deux modes de jeu, donc le mode aventure et le mode classique. Spadetor, c'est ça, Saturn Meteor. Le mode aventure, le mode classique, le mode aventure, c'est tout simplement le mode scénario du jeu. Donc on va avoir les cinématiques, on va avoir l'histoire et tout ça du jeu. L'histoire qui est plutôt sympathique d'ailleurs pour un jeu de plateforme, elle est beaucoup plus développée que plein d'autres jeux. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bon point, je trouve. Et donc le mode classique, qui est juste l'enchaînement des niveaux sans les cinématiques justement, ça les coupe. Ça les coupe automatiquement, on n'a pas à le faire. Et donc évidemment, c'est plus intéressant en speedrun, parce qu'on n'est pas à se taper les cinématiques, ça sert à rien, ça fait perdre du temps. Et c'est pas intéressant. Vous vous faites pas spoil le jeu. C'est tout bénef. Voilà. Alors... donc j'espère que j'ai pas de retard avec vous, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez l'impression que je... Normalement ça devrait être bon, mais voilà. Vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas non plus. J'essaierai d'y répondre si je les vois passer. Il n'y a pas de problème. Donc, alors il faut noter certaines choses aussi. C'est que il y a beaucoup d'individual level, il y a des strats individual level sur les niveaux. Donc c'est-à-dire qu'ils tentent certaines choses qu'on ne verra pas dans les speedruns, parce que tout simplement c'est très compliqué. Vite. Et il y a certains trucs qui sont vraiment, vraiment compliqués. On verra 2-3 trucs, 2-3 glitch pixel. Perfect aussi, très sympa. Et là, sur le niveau sur lequel il y a concentré sur Milexi, parce que c'est le premier de la run, donc on va essayer de rester sur lui le plus possible. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. Et donc, du coup, sur ce niveau, il va y avoir un truc intéressant. Il va y avoir un Wong Warp. Donc, c'est-à-dire qu'on va se servir d'une collision avec le Dragon Boost pour perdre un petit peu le jeu. Il va pas comprendre où nous placer, parce qu'on va faire une espèce de rebond au moment où on va faire la transition d'un écran à l'autre, en écran en fait. Enfin, en grand écran. Ça,
comme ça. Le micro qui galère, c'est vrai? J'ai déployé le micro. Si c'est vraiment gênant, je peux essayer de les corriger ça vite fait. C'est pas à me dire. Et du coup, voilà, donc on vient de le voir sur Milexi, et on va le voir sur... Ouh, il a raté. Normalement, il peut se rattraper. Ouais, c'est bon. J'ai eu un peu peur pour lui, là, sur le coup, parce que ça fait perdre beaucoup de rater le War, tout simplement, parce qu'en fait, ça le fait apparaître quasiment à la toute fin de la zone suivante. Donc il aurait perdu beaucoup de temps, parce qu'il aurait fait lui qui traverse toute la zone, puis tu ne le fais jamais, donc c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà. Il n'est pas super stable. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, je pense. C'est assez relou. Ah. Alors, je vous laisse regarder la run tout seul. Je vais essayer vite fait de voir si je peux faire quelque chose. C'est peut-être au niveau de la voice activation, donc c'est pas terrible, terrible. Je vais essayer de baisser un peu ça. Je vais voir vite fait. Alors, je sais même plus où c'est. Oh là là, c'est tellement longtemps que je me suis pas servi de ce truc. Alors, setting, option, voilà. Alors, un truc que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'en Dragon Boost, on est invincible. Donc, c'est super pratique pour passer à travers des lasers ou des trucs comme ça. On s'en sert pas particulièrement souvent, puisque, en fait, on prend pas de dégâts, tout simplement. Ça dure une petite seconde, hein. C'est pas complètement pété non plus, parce qu'on peut pas enchaîner Dragon Boost, faut que la barre se recharge. Et elle est assez longue, on dirait pas en fait, mais quand on est en run, elle est. À moins de ramasser des gemmes bleues. Donc les gemmes bleues, en fait, ça sert à ça dans le jeu, ça sert uniquement à recharger la barre de spécial. Une fois qu'on en a récupéré 200, c'est pas comme dans un niveau Sonic, ça redémarre pas au début de chaque niveau, on en a 200 tout le temps, et une fois qu'on en ramasse 200, c'est plus compliqué que ça. Alors le micro. Le micro. Oui, Mila n'a pas cette jauge et un niveau de santé réduit, effectivement, parce que c'est un personnage qui est beaucoup plus fort au niveau des dégâts, et du coup, elle est un petit peu plus compliquée à jouer, mais voilà, après, c'est des spécificités à chacun des personnages. Là, on est sur la LA, donc je vais surtout expliquer pour elle, c'est pas spécialement intéressant de parler des autres personnages, étant donné qu'on ne voit pas la run. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'Upercute, en fait, comme il a fait Milexi. Donc, il a gardé sa vitesse, sa vitesse horizontale, et du coup, ça lui a permis de faire un grand, grand saut. Parce qu'en fait, en Upercute, on saute plus haut que la normale. On saute plus haut. Je suis pas sûr qu'on saute plus haut, je crois que je dis une bêtise. En fait, surtout, on perd pas notre vitesse, alors qu'en faisant un saut normal, on perd plus de vitesse. Et du coup, là, il a pu grimper tout de suite. Suite en haut, alors que normalement il aurait dû descendre en bas, prendre une espèce de balle de montgolfière qui l'aurait fait monter jusqu'en haut. Voilà, donc ça aurait fait perdre quelques secondes. Ensuite, un autre truc que j'ai pas expliqué non plus, c'est pas ma connexion, non, ça vient pas de ça, je pense pas. Voilà, ce que j'ai pas expliqué, c'est que si on appuie sur la touche haut, donc pour faire l'Upercute, la touche d'attaque et la touche de saut en même temps, qui est beaucoup plus haut, vraiment beaucoup plus haut que la normale, et on va sauter beaucoup plus haut que si on faisait un saut classique, et ça permet d'atteindre des zones entre guillemets inaccessibles qui nécessiteraient un Dragon Boost. Dragon Boost, ça prend un petit peu de temps, parce qu'à chaque fois qu'on commence, en fait, il y a une petite zone morte où le personnage fait du surplace avant de démarrer, et donc ça fait perdre un peu de temps quand on peut faire un Upercute qui est plus rapide. Voilà, donc c'est plus intéressant. Et en sachant qu'il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que quand on est en train de faire un saut, si on garde la touche de saut enfoncée, un dive kick, donc ce qui consiste à faire l'attaque plongeante en gros, on va garder la vitesse du personnage, c'est pareil, parce que ça dépend comment on appuie sur les boutons. Il y a tout un tas de choses qui peuvent faire qu'on perd du temps dans ce jeu, qui input est importante. Donc, alors, je vais essayer de régler le micro, parce que j'arrête pas de parler, du coup, je vais essayer de régler ça. Voilà, peut-être que ça ira un peu mieux comme ça, je sais pas du tout, hein, il faut me dire, vraiment. Je vais essayer de lire le chat, je vous dis rien. Comme je vous ai dit. Et si c'est mieux, n'hésitez pas à me dire, j'essaie de regarder ça. Donc voilà. Alors du coup, je ne l'ai pas expliqué non plus tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave.
Donc, on peut faire des restarts des fois, en fait, c'est tout simplement parce que le trigger de Art est tout simplement passé avant la zone de report. Donc, des fois, faire un restart, c'est plus rapide que d'avancer dans le niveau quand on fait un restart. C'est un truc comme ça, c'est ce qui vient de se passer ici, en fait. Un petit peu tricky, il a raté, du coup, il est retombé en bas, et il a fait restart pour réparer directement en haut et éviter de se taper la montée qui est un petit peu lente. Il faut savoir que le personnage grimpe sur les murs assez facilement. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, j'étais en train de lire le chat, du coup je pense que je disais. C'est pas grave. Oui, donc le personnage grimpe sur les murs assez facilement en fait, même avec très très peu de vite. Laila va grimper sur... va courir sur les murs ou sur le plafond. C'est pas comme Sonic où on a besoin de beaucoup modélant pour grimper, et c'est parfois chiant. Avec un minimum de vitesse, ça grimpera, il n'y aura pas de problème, c'est plutôt pratique. Donc Spade, un boss un peu relou, parce qu'il est... Il est pas spécialement RNG, mais il est pas évident à contrôler du tout en fait, parce que chaque placement est hyper important. Foirage, il va faire n'importe quoi, il va nous troll, et c'est plutôt relou. Donc voilà, ils ont tous les deux... Donc quasiment au coude à coude sur la route, c'est vraiment très très... La gravité n'est pas contraignante, c'est tout à fait ça. Ou très peu. Le micro a l'air d'être mieux, c'est vrai, bah tant mieux, j'en suis parfait content. Je peux encore l'améliorer un peu, je pense, au niveau du son, si jamais c'est pas assez fort. Je suis du micro, si jamais c'est nécessaire. C'est un micro webcam, donc je suis désolé, c'est pas le meilleur micro de l'univers, mais bon, normalement, ça devrait marcher. Mec, t'es stressant, calme-toi, fais le choix. Mais je suis désolé, il y a tellement de choses à dire. Enfin... Pour l'instant, il y a tellement de choses à dire. C'est ton install de Windows 10. Non, j'ai pas Windows 10, rassurez-vous, je suis resté sur Windows 7. Ne vous inquiétez pas, je respire au milieu des phrases. Je suis pas du tout au bord de l'agonie, il n'y a pas de souci. J'en suis très très loin. Donc en fait, c'est vrai que c'est pareil, c'est encore un truc que je vais pas expliquer, mais c'est pas grave, je vais l'expliquer avec du retard. Vous allez tous savoir. Le niveau était découpé en fait en zones, et chaque zone était gardée par un boss, donc vous l'avez vu, hein, il expliquait beaucoup. Et là, c'est très bien ce qu'ils ont réussi à faire, sauf le petit foirage sur la fin, mais ça c'est pas grave. Ce boss est plutôt compliqué en fait. C'est que il faut commencer, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un uppercut, on va appeler ça un super uppercut, donc c'est-à-dire de faire un uppercut classique en appuyant sur la touche de saut pour sauter plus haut, et donc essayer de se faire prendre dans les ventilations pour grimper le plus haut possible en cyclone, de double saut que j'ai pas expliqué, mais c'est pas grave. Et donc qui va permettre de prendre un peu de hauteur et donc de spammer le boss. Sans avoir à redescendre en bas, remonter, le toucher, et ce qui fera perdre beaucoup plus de temps que faire des cyclones à l'infini jusqu'à le détruire. Voilà. Johan est repassé devant, effectivement, ouais. Pourtant, Milexit est passé, mais ça va être serré tout le long, hein. Ils ont fait pas mal de races ensemble avant la SGDQ, pardon, et tous les deux, ils sont vraiment très très serrés, et Johan a fini. J'ai eu l'impression, alors je dis bien, c'était qu'une impression, que Johan était plus constant sur ses runs que Milexit, même si c'est Milexit qui a le world record. Donc le boss que Dan vient de détruire, c'est un boss qui est particulièrement relou, c'est un des boss les plus compliqués du jeu. Galaxy Trail Game, si je dis pas de bêtises, les développeurs du jeu, à la base c'est un développeur tout seul, c'est Stephen Diduro qui a fait le jeu. Il passe tout seul et il a été accompagné par d'autres après son Kickstarter pour financer tout ça, pour finir tout ça. Et donc le boss disait, c'est un boss RNG en fait, pour peu qu'on... En fait, il est plusieurs phases, le but, donc vous avez vu, c'est de détruire ces espèces de boules pour ensuite toucher sa tête et l'arrêter. Il fait des attaques qui sont aléatoires, et il y a plusieurs attaques. Et si on n'arrive pas à le toucher assez vite, il peut lancer donc deux attaques, c'est-à-dire les boules d'énergie. On a un bouclier qui bloque les boules d'énergie. Ou une autre attaque, c'est une attaque tornade qui fait perdre beaucoup de temps parce qu'en fait elle nous repousse et c'est super chiant. Parce qu'on ne peut pas attaquer le boss du coup pendant ce temps. Donc on va se concentrer sur Johan du coup parce qu'il est devant. Donc on va déporter notre regard sur la droite. Et on va regarder ce qu'il fait lui maintenant parce qu'il est un peu devant. Et donc du coup c'est le premier gros niveau à eau du jeu, on va dire. Donc l'eau, comme on peut le voir, elle est pas plus contraignante que ça, très très vite dedans grâce au dive kick, ou au contraire si on a une vitesse d'arrivée dans l'eau déjà très élevée, l'eau va pas nous freiner en fait, donc on va pouvoir aller très très vite.
en utilisant le mur, en fait, en, le cyclone, on va dire que le cyclone, ça fonctionne un petit peu comme un, comment dire, comme un spin dash. Je ne me rappelle plus du nom de l'attaque exactement, c'est très dommage. Mais voilà, ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire le personnage va glisser sur les pentes et prendre un peu de vitesse. Et en fait, on peut rouer sur quasiment toutes les pentes, qu'elles soient en descente, en montée. Bref, à partir du moment où l'inclinaison est bonne, le personnage va pouvoir courir sur les murs. Et donc, c'est justement grâce à ça qu'il a fait ce skip. Il a fait un cyclone, et il a fait un saut. Et justement, comme sa vitesse verticale était très élevée, il a pu s'élever très très haut avec son cyclone. Parce qu'en fait, le cyclone, il est basé là-dessus. C'est que plus la vitesse verticale du personnage sera haute, plus le cyclone va nous faire voler haut. Voilà, il faut savoir ça comme ça. Et donc, c'est très pratique pour prendre énormément de hauteur. Et on s'en sert beaucoup sur les tremplins. En fait, on fait un cyclone juste avant de toucher un tremplin, beaucoup plus haut que si on faisait, si on prenait le tremplin normalement. Et donc là, c'est un demi boss du niveau, donc on ira, qu'ils ont littéralement explosé en fait. C'est que normalement elle lance ses attaques, elle met des boucliers pour se protéger, et donc on lui casse son bouclier, on lui casse la figure ensuite pour l'arrêter, elle remet un bouclier, on lui casse la figure, etc., etc. Le but, c'est de faire en sorte qu'elle n'utilise pas de bouclier, qu'elle n'ait pas le temps d'utiliser son bouclier, et qu'on lui casse la figure tout de suite, en fait. Et du coup, ça fait gagner énormément de temps, et c'est pas évident, c'est pas si facile que ça. De Sonic, c'est ça, oui, mais c'est juste le fait de se rouler en boule, parce que spin dash, tu charges et tu lances. C'est pas le spin dash, c'est juste le fait de rouler en boule, mais j'oublie le nom. C'est pas grave, hein, c'est exactement la même chose concrètement. Ça marche de la même façon en fait, hein. comme je l'ai dit au début de la run, Freedom Planet, un jeu basé sur un fan moteur de Sonic, qui est très très bien foutu d'ailleurs pour le coup. Le fan moteur de Sonic est, pour un fan moteur, hein, c'est vraiment incroyable. Si vous voulez, d'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous conseille d'aller voir, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Pour peu que vous ayez le logiciel Multimedia Fusion Developer 2, allez regarder le moteur du jeu, c'est Sonic Worlds que ça s'appelle. Et Freedom Planet est parti de ça, et il a été fait avec ça, de toute façon, vous pourrez voir comment ça fonctionne et tout ça, et c'est vraiment super intéressant à regarder. Un peu, mais c'est pas grave, c'est parce que ça vaut vraiment le coup de voir. C'est très sympathique. Il faudrait Nira en personnage jouable. Je suis pas sûr qu'ils vont le faire, il me semble pas que ce soit prévu par les développeurs. Spade a rajouté, donc les deux personnages, entre Grimmel, le héros, et l'anti-héros du jeu, qui vont rajouter dans le DLC à venir. DLC gratuit, je le rappelle. Et le pixel art est super joli, effectivement, c'est un très très beau jeu. Ils ont, mais justement, grâce au Kickstarter, ils ont pu recruter des artistes qui ont retravaillé les graphismes du jeu. Le jeu qui était pas du tout comme ça à la base. Et ça en fait un jeu vraiment vraiment magnifique graphiquement, je trouve. Très très bien réussi. Et les musiques sont très très bonnes aussi. C'est libre de droit ou pas, je sais plus, il faut vérifier. Je crois que oui. Si tu crédites les gens, normalement tu peux utiliser le moteur du jeu comme tu veux. Voilà. C'est moi où l'avance de Johan se renforce un petit peu, effectivement. Johan, je sais pas comment dire, on va dire Johan, c'est plus facile. Déteste l'avant-dernier monde du jeu. Donc, comme vous avez vu, hein, chaque monde est découpé en deux zones. Hein. Sauf le tout dernier monde qui est découpé en quatre zones, c'est la grande zone finale, de ouf, c'est tout épique et tout ça. Et donc là, on va voir un gros zip. En fait, il va se servir des grandes plateformes. Il va se servir des plateformes montantes et descendantes, en fait, pour clipper à travers le plafond et directement aller sur la zone Trigger à droite du niveau pour terminer. Alors qu'en fait, normalement, il est censé se taper tout un peu long et plutôt relou dans le niveau. Et là, non, on s'en fout, on clip à travers le mur et c'est fini. Et là, il va très très vite recommencer, vous allez voir, cette fois-ci. En fait, il va pousser des caisses, il va faire sauter des caisses. En fait, c'est comme dans Sonic, c'est exactement les mêmes boîtes pour ça. Ça a la même physique, il va sauter de dessous, il va en pousser deux l'une sur l'autre, elles vont pas trop comprendre ce qui se passe, il va passer entre deux caisses, et comme je l'expliquais tout à l'heure, le jeu va écraser entre guillemets les collisions du personnage, il va faire mais non là ça va pas, il y a pas la place pour le personnage, il faut que je le mette là où il y a de la place. On va de nouveau faire un skip, donc c'est le niveau à skip en gros, il y a deux énormes quêtes qui permettent de bouffer la zone du jeu assez violemment. Et donc là on va bientôt arriver à un autre boss, donc Syntax, c'est le entre guillemets le bras droit du grand méchant du jeu, donc il s'appelle Brevon. Donc Syntax est le bras droit, et c'est très rigolo parce que si vous, je sais pas si vous entendre avec le restream, mais elle a la voix de GLaDOS de Portal, en fait. C'est très rigolo parce qu'elle dit deux trois trucs dans le niveau quand on passe à côté des grands yeux qu'on voyait apparaître, notamment sur la porte
qu'il faut ouvrir avec un truc, et elle dit ah non, c'était une blague. Enfin voilà, pour l'écouter, c'est très rigolo. Deux, trois petites références comme ça. Donc à Portal, hein, clairement, il n'y a pas de surprise. C'est totalement fait exprès. Voilà, donc on arrive dans la deuxième zone du jeu. Donc là, c'est pareil, il va y avoir un cut. Normalement, c'est un niveau, c'est la première fois du jeu, parce qu'on se perd un peu, il est un petit peu labyrinthique celui-là, on sait pas trop où il faut aller, enfin, on sait pas où il faut récupérer les cartes, vous avez vu, les cartes ça sert à ouvrir les portes, hein, c'est pas une grande surprise. Et donc on sait pas trop où il faut aller, on se perd un peu, c'est un des niveaux labyrinthiques du jeu, entre guillemets, et donc pour avancer, on a tendance à vite se perdre, et du coup, là, en fait ils vont cut une partie du niveau, 10 secondes, donc le temps qui court dans les flammes, donc avec le bouclier de feu on peut courir dans les flammes, c'est pareil, c'est une idée reprise de Sonic 3. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, comme je l'ai dit, hein, il y a beaucoup d'idées de reprise de Sonic, mais c'est pas pour autant que ça en fait un jeu Sonic. Donc là il vient de faire un cut en fait, comme vous avez vu, il a utilisé le Dragon Boost d'abord pour prendre de la vitesse et pouvoir nager à contre-courant. Il fait un dive kick pour descendre rapidement dans l'eau et donc pouvoir en fait descendre dans la partie basse. Le passage du bas en fait, normalement on est censé aller beaucoup plus loin dans le niveau. Un interrupteur qui fait descendre l'eau, revenir et continuer le niveau. Pour descendre là où il est passé mais où il y avait normalement plus d'eau du coup là. Et donc il a pas fait ça, il a directement cut, il a pas besoin de descendre l'eau, c'est tout ça, enfin voilà. On va arriver sur le prochain boss, donc de nouveau syntaxe avec une nouvelle forme. Lilac, c'est le nom du personnage principal du jeu. Ça sert à quoi les trucs qui remplacent les anneaux dans ce jeu? Ça sert à gagner des vies, c'est comme les anneaux. Sauf qu'en fait, à partir du moment où tu récupères 200, tu gagnes une vie, et ça sert à recharger... Et ça sert à recharger la barre de spécial qui lui permet donc de faire des Dragon Boost. Voilà. Et donc les Dragon Boost, alors c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup pour faire des dégâts, parce qu'en fait c'est un DPS très très élevé le Dragon Boost. Ils ont cherché des méthodes donc, pour avoir le plus haut DPS possible. Alors il paraît qu'il y a des petites interruptions avec mon micro, je suis désolé, je vois pas trop ce que je dis. Mais voilà. Donc du coup je disais, le Dragon Boost c'est l'attaque qui a le plus gros DPS du jeu, le problème c'est que ça bouffe la barre de spécial, fait partir loin, donc forcément il faut gérer, il faut voir comment on l'utilise, il faut l'utiliser intelligemment, tout ça, pour s'arrêter net. Le personnage a une super forme. Le personnage n'a pas de super forme. Lilac, ça veut dire lila. Alors je sais plus ce que c'est en anglais exactement, je crois que c'est le nom d'une couleur en fait. Simplement le nom du violet, hein, tout simplement. La mécanique de gameplay dans ce niveau qui est plutôt sympa, qui est un niveau unique à Lilac justement. Parce qu'en fait, en fonction des personnages, il y a des niveaux que certains personnages vont parcourir et d'autres pas. Et donc ça, c'est un niveau unique à ce personnage. À l'intérieur, il y a ces espèces d'anneaux géants qu'on voit qui permettent d'offrir un Dragon Boost supplémentaire. En fait, tout simplement, ça charge la barre de Dragon Boost au maximum. Et ça en donne un bonus. En gros, il y a le premier Dragon Boost, donc celui qu'on voit avec une espèce de flèche bleue. Celui que l'anneau donne, et après il y a le deuxième qui reste avec la barre bleue chargée. Voilà. Et donc du coup dans ce niveau, la mécanique de gameplay ça va être ça, donc d'utiliser au maximum ces espèces d'anneaux pour prendre un maximum de hauteur, parce qu'en général on est haut dans le niveau et on est ravi parce qu'on n'a pas besoin de se taper tous les passages du bas où il y a une masse ennemie et tout ça. Tracé assez rapidement en plus parce que du coup comme je le rappelle invincible avec un Dragon Boost, donc forcément bah vu qu'on a en gros on nous donne l'invincibilité dans le niveau, donc on a juste à tracer comme un fou. Donc là ils ont récupéré le bouclier de terre qui permet donc d'attirer tous les boucliers en fait ont des propriétés, hein, ils ont chacun des spécificités. D'attirer les, on l'a déjà vu, hein, ils s'en sont déjà servis, permet d'attirer les, donc justement les gemmes bleues. Ce qui permet donc de recharger ça plus vite, puisqu'en fait on n'a pas besoin d'aller les chercher, ils sont directement attirés sur nous, et c'est utile pour pouvoir faire des Dragon Boost donc plus rapidement. Commentateur, on n'a pas le temps, non. Effectivement, on n'a pas le temps.
Vous savez à quoi vous attendre avec Sonic, enfin, je vous préviens, moi. Le design du niveau et les anneaux me font penser à une Into the Dream de la Saturne. Je saurais pas dire, c'est vrai que j'ai pas fait le jeu. Donc on a les espèces de plateformes là qui disparaissent, qu'on verra un petit peu plus tard aussi. Avec, en plus, avec de la chance et un Dragon Boost, on peut directement atterrir un peu en haut, donc on a pas besoin de trop se casser la tête. Donc voilà. Alors un truc que j'ai pas précisé non plus, donc c'est vrai qu'on est quand même là sur la GDQ, hein. La SGDQ, je vais y arriver, je suis vraiment désolé. Donc on est là pour ça, donc pour tous ceux qui t'intéressent et qu'ils apprécient les graphismes, et surtout le chara-design des personnages, n'hésitez pas à faire un don, c'est très important, c'est pour une association quand même. Donc n'hésitez pas à faire un don, et si vous donnez plus de 5 euros pendant Freedom Planet, vous allez pouvoir participer au tirage au sort pour remporter les 3 perleurs des 3 personnages principaux du jeu. Voilà, donc comme ils sont plutôt chouettes, n'hésitez pas, pour 5$, franchement, il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas à bourrer les dons pour ça, ça leur fera plaisir, c'est pas perdu du tout. Donc, alors, le boss ne s'est pas du tout passé de manière conventionnelle. C'est une espèce de glitch, en fait. On n'a pas trop compris comment ça fonctionne. Si ça, c'est dommage, ça va faire beaucoup de temps. Et en fait, normalement, il récupère l'anneau, et il s'est calé dans le coin tout à droite, et il a spammé l'attaque spéciale. Il a vraiment pas de chance, Milixia. L'attaque spéciale, en fait, pour détruire toutes les boules du boss. Normalement, quand on détruit toutes les boules du boss... Ah, il est sympa, Milixia l'attend. Et Johan l'attend. C'est vraiment cool de sa part, par contre. C'est vraiment cool de sa part, parce que le boss, c'est vraiment, vraiment pas de chance ce qui s'est passé. Et du coup, donc, en fait, le boss, le but, c'est de détruire toutes les boules. C'est un boss particulièrement relou en casual. Il faut tout casser les boules. Et une fois qu'on en a pris, on va dire les 3/4 à peu près, on peut attaquer son œil géant et donc le tuer. En fait, quand on se cale dans le coin comme ça et en spammant l'attaque, ça détruit toutes les boules. On sait pas trop pourquoi, parce qu'on les touche pas forcément. Et du coup, on peut directement tuer le boss. C'est un glitch. Apparemment, c'est un glitch par rapport à ça. Mais le développeur l'a volontairement laissé pour les speedrunners du jeu, puisque ça gêne pas en casual. Il faut savoir qu'il y a certains bugs qui avaient été corrigés et qu'il a remis, parce que les speedrunners lui avaient demandé, ils ont dit, non, mais c'est un bug sympa, ça gêne pas pour les casual, on veut bien que tu le laisses pour... parce que ça fait gagner du temps, tout ça, et donc il a remis des bugs exprès, et ça c'est plutôt cool de sa part, je trouve. Donc ça, c'est un niveau shmup, c'est pas le niveau le plus intéressant du tout. C'est sympa parce que ça varie un petit peu le gameplay. Mais en fait, c'est pas comptabilisé. Si je dis pas de bêtises, il est pas comptabilisé dans le in-game time. Voilà, donc en gros, c'est pas très très important. C'est pour ça qu'il l'a attendu, en fait. Hein, parce que concrètement, ça change pas le temps final. Le jeu calcule très bien le temps tout seul. Donc il n'y a pas besoin de... En gros, il n'y a pas besoin de timer quand on fait des runs de jeu. Il a attendu parce que le temps n'est pas compté dans la phase de shmup, c'est juste là, voilà, c'est pour faire une petite phase sympa avant l'avant-dernier monde du jeu, donc monde, je dis bien. Donc voilà. Donc ça, c'est un niveau un petit peu... On va dire que c'est un niveau medley, en fait, parce qu'on revoit tous les ennemis qu'on a vu dans le jeu. Il n'y a pas d'ennemis, je crois pas qu'il y ait d'ennemis, je suis pas sûr. Mais du coup, on revoit tous les méchants et tout en masse, ils ont remis à mort dans le niveau pour que ça explose partout, et ça rend le niveau particulièrement compliqué. C'est vraiment, vraiment pas un niveau facile en casual, il est très long, mais il faut savoir que le jeu est long, hein, d'ailleurs. Il faut savoir que le jeu est très très long. La première fois qu'on le fait, on peut facilement passer une demi-heure par niveau. Hein. Pour peu qu'on se donne la peine de fouiller un petit peu les levels, de récupérer toutes les gemmes, et de récupérer les 10 cartes bonus, un petit peu à la manière des emblèmes de Sonic Generation ou des Sonic... Vous pouvez trouver en 2D sur DS, je crois qu'il y en avait. Il est sur Steam, le jeu, et il va sortir sur Wii U dans pas longtemps. Et donc le jeu est vachement long, en fait. On le fait en 50 minutes en speedrun. Mais la première fois qu'on le fait, il prend vraiment le temps, hein, une demi-heure par niveau. Quand je vous dis ça, c'est pas une blague. C'est pour de vrai. Ça prend vraiment vraiment longtemps, ce niveau-là est vraiment long. Hein. Je pense que c'est le niveau le plus long du jeu. C'est le niveau le plus long du jeu, d'ailleurs. Il est assez compliqué.
compliqué. Et donc là, les espèces de pics de comment dire, de foreuses qu'on a pu voir, faut les frapper pour les envoyer dans les murs et donc pouvoir continuer à avancer dans le niveau. Et donc là, on arrive sur l'un des boss les plus difficiles du jeu en casual. Il est affreux. Hein. C'est un boss qui est réellement affreux. Il est hyper difficile. En fait, là, il a l'air super facile comme ça, mais ils sont en train de le manipuler à mort. Il faut savoir que le boss réagit en fonction de nos mouvements horizontaux. Donc, c'est-à-dire, si on bouge vers la droite, le boss va bouger vers la droite. Mais plus on bougera vite vers la droite, et plus il se déplacera loin vers la droite, il nous tire ces espèces de missiles, les gars, de fou. Ils font hyper mal, ces machins, en sachant que le recovery est hyper court. Donc, c'est-à-dire, quand on prend un hit, pour peu qu'on soit mal placé, on peut se faire enchaîner et se faire exploser la face. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne dans le jeu. Le personnage a une barre de vie, donc on prend des hits à gogo quand ça marche pas comme il faut. Et du coup, là, ils sont très très bien placés, ils ont réussi à l'exploser super vite. Et c'est pas forcément simple, même en speedrun, on peut facilement se foirer, parce que pour peu que le boss arrive à nous toucher, ce qui n'est pas forcément... Ça arrive assez fréquemment que le boss, qu'on se place assez mal et qu'il y a un des tirs qui nous touche, on se fait pousser et après le boss ne réagit plus comme on veut puisqu'on est mal placé, donc on veut essayer de se replacer et en essayant de se replacer on fait n'importe quoi, c'est la gueule, ça arrive assez souvent. Bah en casu, ouais, c'est un peu le cas en même temps quand on découvre le jeu en jouant casu, on va dire ça comme ça. C'est pas péjoratif, hein, faut pas du tout le prendre comme ça. Faut pas du tout prendre ça de façon péjorative, hein, c'est juste la première fois qu'on fait le jeu, on va dire en casual. Voilà. Donc, à noter qu'avec. Je pense d'ailleurs que la première fois qu'on fait le jeu, c'est plus facile avec Layla qu'avec les autres personnages. Carole n'est pas forcément un personnage simple à manier parce qu'elle va pas très très vite. Elle fait des dégâts, mais elle est pas simple à jouer. Et Mila, elle est très très difficile à jouer parce qu'en fait, elle a moitié moins de barres de vie que les autres personnages. Et en fait, ces personnages-là ont 7 pétales. Voilà, donc en fait, le boss justement qu'on a vu au début, il nous enlevait 2 pétales par hit, 4 quand on est en difficile, ou en expert, je sais plus ce que c'est le mode de difficulté maximum, il joue en normal. Hein. Du coup, en fait, au moindre hit, le personnage est quasiment mort. Quoi. Donc, à noter un autre petit truc intéressant d'ailleurs, c'est que on a 7 pétales, on perd notre dernier pétale, en fait, le jeu nous accorde un dernier hit. C'est-à-dire, on va faire simple. Il y a un boss, par exemple, il va nous... Je vais vous expliquer simplement. 4 pétales en un seul coup, on va dire. Et mettons qu'il nous reste la moitié d'un pétale. Si le boss nous touche et qu'il fait 4 pétales de dégâts, mais en fait, le jeu va quand même... va pas nous tuer. Ça va pas faire 0,5 points de vie moins 4. Je dirais qu'il y a un seuil et il va nous accorder un dernier hit, quoi qu'il arrive, peu importe. Peu importe la valeur du dégât qu'on prend, s'il nous reste plus de la moitié d'un pétale. J'espère que c'était clair. Torque est complètement une espèce de parodie de Donald Megadrive, son mec est un déguisement. C'est ça. D'ailleurs, à noter un truc très très intéressant, parce que ça colle parfaitement avec ce qu'on a vu juste avant avec Gunstar et Rose, aura un gameplay très 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 similaire justement au personnage qu'on a pu voir dans Gunstar et Rose, c'est-à-dire qu'il va toutes les espèces de boules qu'on a pu le voir ramasser au fur et à mesure dans le jeu, ça va servir à ça, en fait ça va être des armes pour... J'en dis pas plus, vous verrez tout ça avec le jeu, sinon c'est pas rigolo qu'il n'y ait plus de surprise. Et donc là, le boss qui vient de battre. Donc Milexi est repassé devant d'ailleurs. Ils ont passé devant plus ou moins. De toute façon, on aura le résultat avec le in-game time. Hein. C'est ça qui définira le vainqueur entre les deux. C'est pas très très grave. Mais voilà. Et du coup, je voulais dire un truc que j'ai oublié, c'est pas grave. Ils font pas le skill du bouclier sur ce boss permettant de le toucher à la fin de son dialogue. Mais en fait, ils parlent. Ils l'ont fait, hein. Ils ont commencé comme ça. Mais. C'est pas évident à faire parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut faire le super hypercut, donc c'est-à-dire faire l'hypercut et le saut en même temps pour sauter très haut et le toucher avec un clone. Il faut lui enlever son bouclier en faisant deux coups et ensuite le toucher. Et en fait, le but c'est donc d'éclater le boss le plus rapidement possible sans qu'il puisse nous faire son espèce d'attaque avec les gros rayons violets. S'il arrive à le faire juste une fois ou qu'il meurt pendant, bon parfait, c'est un très très bon boss. Mais c'est hyper difficile à faire en fait, parce qu'il faut gérer ses Dragon Boosts correctement, c'est-à-dire rebondir sur le mur, garder la touche. Encore un truc que j'avais expliqué, il y a tellement de choses, il y a tellement de tricks.
Je vais le dire maintenant. En fait, quand on fait un Dragon Boost et qu'on garde la touche de son enfoncé à la fin d'un Dragon Boost, et plus haut, il va pas perdre sa vitesse et redescendre. En fait, on va, c'est comme si le Dragon Boost durait plus longtemps, tout simplement. Et du coup, en fait, si on fait ça sur un mur, espèce de saut sur le mur, on va rebondir très haut, enfin suffisamment haut pour toucher le boss avec un cyclone et donc lui enlever son pied et le retoucher, alors que normalement il est inaccessible. Sauf en faisant un Dragon Boost. La jauge, et donc attendre que ça se recharge, refaire un Dragon Boost, le retoucher, et c'est hyper long, alors que là, du coup, en rebondissant sur le mur, en fait, à partir du moment où on rebondit sur le mur, on arrête le Dragon Boost, et on perd pas toute la jauge. Et c'est là tout l'intérêt de justement faire ça. C'est-à-dire garder la touche de son enfoncé pendant qu'on fait le Dragon Boost, et rebondir, ne pas décharger toute la jauge, et donc pouvoir enchaîner ses attaques, et détruire le boss très rapidement. Donc, pendant que je dis ça, ils vont quasiment arriver à la fin de la zone suivante. Donc le dernier monde du jeu, qui est découpé en 4 zones. En 4 zones, moins facile. La zone 1 et la zone 3 sont assez faciles. Mais la zone 2 et la zone 3 sont beaucoup moins évidentes. Notamment la zone 2 qui n'est pas du tout évidente en speedrun, parce qu'en fait il n'y a pas de vie. Sur le chemin, il n'y a pas de vie, tout simplement. Vous avez pu voir les espèces de boîtes à pétales, en fait, qui vont prendre de la vie, tout simplement. Et il n'y en a pas dans le deuxième niveau de ce monde. Il n'y en a pas sur le chemin, et du coup, ça force les runners à faire attention à ce qu'ils font, parce qu'au moindre dégât, ça peut s'avérer dramatique pour le boss, qui n'est pas forcément évident. Le jeu en vitesse lumière dure à suivre. C'est vrai que ça va vraiment très très vite. C'est fait imploser. Ah, pas tout à fait du deuxième côté, Joanne l'a un petit peu raté. Parce qu'il faut savoir que forcément, les Dragon Moose peuvent partir dans les 8 directions, sauf la direction... En fait, ils ne peuvent pas partir de façon verticale, et de façon... Non, de façon verticale, tout simplement. En haut et en bas, ils ne peuvent pas partir comme ça, c'est pas possible. Et du coup, en fait, donc ça peut partir dans 6 directions, et à noter que moindre fail de direction, c'est une perte de temps assez conséquente, notamment sur un boss. On va perdre le DPS qu'on avait avec le Dragon Boost, et il faut attendre que ça se recharge pour recommencer, tout ça, enfin voilà quoi. Voilà. Je crois pas avoir raté un peu trop de questions. Un peu de Rocket Knight, tout ça, oui. Un peu de Restart aussi, je trouve, hein, pour ceux qui connaissent. De la Sonic Team aussi, le dernier jeu de la Sonic Team sur la Mega Drive, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Sorti en 1995. Mais voilà. Donc je le redis pour ceux qui sont arrivés un petit peu en cours de jeu. Freedom Planet est disponible sur Steam. C'est un jeu Steam qui va sortir sur la Wii U d'ici peu. Actuellement dans un bundle, si je dis pas de bêtises, depuis aujourd'hui, je crois. Donc n'hésitez pas à l'acheter, parce que dans un bundle, c'est donné, et pour un jeu comme ça, allez-y. Si vous êtes intéressé par les perleurs du jeu, donc des trois héroïnes du jeu, Lilac, la dragonne, Carole, qui est un chat, et Mila, qui, contrairement aux apparences, n'est pas un lapin, mais... Donc, avec les trois perleurs, n'hésitez pas à faire des dons de minimum 5$ pour essayer les obtenir. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, donc la zone dans laquelle ils vont arriver, enfin, dans laquelle John va arriver, dans laquelle Milixie est déjà, c'est en fait une zone où le méchant du jeu, Raven, l'oxygène de son vaisseau spatial pour tenter de noyer, entre guillemets, nos personnages. Et donc, Mila va laisser des boucliers aquatiques, donc un peu à la système sonique, hein, qui vont permettre de respirer sans avoir à prendre des bulles d'air. Il n'y en a pas dans ce niveau, évidemment, ça c'est pas logique. Et en fait... Donc justement, c'est ce qu'il vient de dire. Le bouclier est hyper important ici pour le skip qu'ils viennent juste de faire. Parce que si on n'a pas ce bouclier, on ne peut pas respirer, donc on va forcément mourir. Le personnage nous donne des boucliers volontairement pour qu'on puisse respirer. Et c'est le gameplay qui veut ça, ça fait comme ça, le niveau fait comme ça. Si on n'a pas le bouclier, on va mourir, parce qu'il n'y a aucun moyen de respirer. Et donc le but, c'est de prendre un bouclier, d'attendre que Mila en retombe à deuxième, d'aller faire la partie de niveau, de perdre le bouclier parce que ça va plus vite. Et c'est descendre en bas, attendre qu'elle pose le bouclier. On va se mettre juste en dessous du bouclier. Il va nous rebondir sur la tête, il va se bloquer, regardez bien, il s'est bloqué le bouclier, et en se plaçant parfaitement
sous le plafond, on va faire un saut, on va faire un dragon boost, donc c'est pixel perfect, hein, il faut vraiment se placer de façon très très précise. Je ne sais pas si vous avez regardé, Johan est monté plus haut que Milexi parce qu'il a réussi le pixel perfect. On peut monter dans le mur très facilement, mais on atterrit pas, on a aussi haut que Johan l'a fait, parce que justement ça nécessite un placement assez précis. Voilà. Là c'est un chien. Si on va éviter de répéter dans l'air vulgaire. Et donc le boss s'est fait exploser du côté de Milexi, c'est vraiment très très bien joué parce que là c'est pas évident. C'est pareil, c'est un personnage qui... C'est un boss qui met... Je crois qu'il vient d'y avoir un drame là, non? J'ai pas regardé ce qui vient de se passer mais j'ai l'impression que ça va pas être bon. Non, c'est bon, j'ai eu très peur. J'étais en train de regarder Johan, donc du coup, pour vous expliquer un petit peu le boss, c'est il faut se placer le plus à gauche possible et tout le temps rester le plus à gauche possible. Parce qu'à partir du moment où on va partir un petit peu sur la droite, on risque que le boss fasse justement son attaque vers la droite, donc qu'il prenne de la distance vers la droite, et ça va faire perdre beaucoup de temps parce qu'on pourra pas justement utiliser le Dragon Boost comme je l'expliquais. Comme je l'ai expliqué, le Dragon Boost, rebondir dans le mur et donc éviter de décharger toute la barre de spécial et pouvoir enchaîner donc le Dragon Boost pour lui faire un maximum de dégâts. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc là on arrive dans le niveau que je trouve absolument épique en speedrun. Ça va super vite, ça explose partout. Et en plus c'est pas un niveau difficile à runner. Réellement hyper impressionnant je trouve, regardez, il est hyper agréable parce qu'il est très très fluide. Et les espèces de barreaux bleus qu'on les voit passer au travers, ça leur donne une vitesse maximale, forcément. Et donc ça les fait courir très vite. Piano Pianet est bien dispo sur le GOM, d'accord. C'est le Magic Pistol de SMB, pas tout à fait. Tout à fait, mais... Ouais, on va dire ça pour vous faire plaisir, si vous voulez. Il mitraille partout, c'est ça. Ouais. En fait, le boss... Le boss prend à la légère en fait le fait qu'on soit le boss final, Brevan, donc le méchant, le fait qu'on soit dans son vaisseau et il prend ça à la rigolade et donc il essaye de nous attaquer avec toutes ses troupes et... Oh c'est dommage, Milexi vient de rater un petit trick sympa qui fait gagner un peu de temps. Et donc il nous envoie toutes ses mitrailleuses à la figure et tout ça. Et donc il va arriver sur un boss. Alors si vous voulez pas vous faire spoil, je vous conseille de boucher les oreilles et de fermer les yeux 2 minutes le temps de pas voir ce que donne le boss. Donc je vais pas vous faire je vais pas vous gâcher le scénario du jeu parce que c'est un petit peu dommage. Donc Johan vient juste de réussir le trick dont je vous parlais. Il a fait un cyclone et il a sauté en fait pour gagner. Regardez sa vitesse ascendante et donc tourner plus vite autour des tremplins. Et là, il perd beaucoup de vitesse dans un tremplin, plus que Sonic, et ça va assez vite. Et donc le boss, c'est Mila, donc c'est le troisième personnage jouable du jeu. C'est elle le boss, donc on va lui casser la gueule parce qu'elle a été entre guillemets empoisonnée par Brevan. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est pas drôle. Je vais pas vous cacher la surprise du scénario. Ce serait pas très sympa. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe, achetez le jeu, jouez-y. Et faites le mode aventure, sinon c'est pas drôle. Et donc là, le but, en fait, c'est de la frapper. Elle va s'envoler, on va se placer correctement, lui faire Dragon Boost pour la retoucher entre guillemets, en un seul cycle. Et donc ensuite, le but, c'est que pendant qu'elle est en l'air, on va essayer de la retoucher une fois. Elle va redescendre et elle va se réenvoler tout de suite parce qu'elle est plus facile à toucher. On peut lui faire plus de dégâts quand elle s'envole parce qu'elle a un angle plus approprié au Dragon Boost. Quand elle est en train de s'envoler, que quand elle est au sol. Donc ça va. Le but c'est donc de la toucher au sol, lui faire un Dragon Boost la première fois qu'elle s'envole pour la toucher une deuxième fois, essayer de lui faire le dégât une troisième fois pendant qu'elle est en l'air, on lui refait un Dragon Boost et on l'achève en l'air avant qu'elle ait le temps de retomber. Normalement c'est comme ça que c'est censé se passer au mieux. Ça se passe rarement comme ça parce que c'est vraiment très très difficile. On arrive sur le dernier niveau du jeu, donc Final Dreadnought 4, qui est un niveau qui est vraiment vraiment sympa. L'ambiance pesante du boss qu'on a battu juste avant, parce que la musique et tout, je trouve que c'est vachement oppressant. C'est plutôt bien foutu parce qu'on a cassé la gueule à notre pote et en plus le niveau qui arrive est pour coller avec la suite du jeu. Donc là on vient de voir un super trick. C'est pixel perfect, ça aussi. En fait, il faut se placer l'espèce de petit trait rouge qu'on voit dans le fond. Il faut que le pied du personnage touche le bord de ce truc.
Et donc là, ils ont fait du pose buffer. Hein. Donc c'est pixel perfect, mais avec le pose buffer, on peut arriver à se placer assez facilement. C'est pas hyper difficile, malgré que ce soit pixel perfect. Et donc, on va essayer de se placer là-dessus. Ils paraissent donc pousser dans le mur, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le jeu va pas trop comprendre où on est, les collisions sont écrasées. Donc il va essayer de nous replacer le plus haut possible, là où le personnage sera entre guillemets. J'adore le pattern final du boss, oui, en casu, il est vraiment, vraiment très très dur. C'est vraiment, vraiment super chaud. Le boss est pas simple, le boss final est vraiment, vraiment pas simple. Et en speedrun, c'est pareil, on a vite fait de se planter. Donc là, c'est pareil, c'est une session verticale où il fallait le gigantesque laser et monter en haut le plus vite possible. Donc il y a des fast strats, il y a tout un tas de choses qui permettent d'aller plus vite. Et donc là, on revoit le boss qu'on a vu dans le Battle Glacier, un petit peu différent, légèrement différent. Il tire plus vite, il a d'autres attaques, il tapait son pif le plus de fois possible avant qu'il fasse quoi que ce soit et donc on tue. Et là, ça s'est très bien passé du côté de Milexi. Il a fait la strat la plus rapide dessus. Une chose qu'il faut noter, il n'y a pas de mode coop ou de multi sur ce jeu, non, c'est un jeu solo. C'est ça, le laser géant au one shot, il n'y a pas de problème. Si on foire, on meurt, il n'y a pas de surprise. Et donc je disais, oui, en fait, il faut savoir un truc, c'est que certains boss, enfin c'est au nombre de dégâts qu'ils prennent, qui meurent, et il y a certains boss, c'est au nombre de coups qu'ils prennent, c'est-à-dire peu importe le coup qu'ils vont prendre, ils vont prendre un coup, le jeu considère qu'ils vont prendre un coup. En gros, il faut le toucher 10 fois, peu importe l'attaque. Une fois qu'on l'aura touché 10 fois, il va mourir. Et à d'autres boss, c'est une fois qu'on leur a donné par exemple 100 dégâts, ils vont mourir. Et donc il y a des attaques qui font plus de dégâts que d'autres. Et comme je disais, le Dragon Boost est l'attaque qui a le plus de DPS du jeu. Et donc le boss final a été expédié. La dernière phase du boss est très très difficile, mais pour peu qu'il la gère correctement. Tous les deux, c'est ce qu'ils ont fait. Là, ils l'ont vraiment explosé. C'était vraiment bien joué de leur part. Ils ont enchaîné les attaques parfaites en fait pour le tuer. C'est la moindre attaque foirée. Ils n'auraient pas first cycle le boss. Donc ils l'ont tué en une phase. Il n'a pas eu le temps de faire son attaque en gros mid-phase qui découpe les patterns du boss. Là, ils l'ont explosé. C'était vraiment très très fort parce que c'est vraiment difficile à faire. Même pour eux qui sont les deux meilleurs joueurs de Freedom Planet, ça reste hyper difficile. Voilà. Et c'était deux belles runs. C'était vraiment. Deux belles runs, 49-59 et 50-17. Johan a un petit peu attendu Milexi tout à l'heure. C'est vraiment deux très très belles runs. C'est vraiment vraiment pas loin des world records. Hein. On va voir les résultats philo. Mais c'était vraiment des très 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 bons temps. Mort, je crois qu'il n'y a pas eu de mort sur toute la run, hormis des resets justement, comme on a pu voir pour réapparaître plus vite. 40-32 et 40-35. Donc Milexi a fini devant à 3 secondes. C'est pas l'attente de Johan qui a fait la différence, hein, je vous le rappelle. Le temps n'est pas comptabilisé sur la phase de shmup. Mais du coup, je le rappelle, 40-32 pour Milexi, son record est à... Donc en in-game time. Le temps de Johan est à 40-35 et son record est 39-58. Donc ils sont à moins d'une minute, corps. C'était vraiment une très 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 belle run. Voilà. Oui, on pourrait revoir les replays normalement, je pense sur Twitch ou sur YouTube, je sais pas trop comment ça va se passer. Alors les devs comptabilisés, c'est les resets en fait. À partir du moment où on reset, le jeu considère qu'on est mort. Mais c'est pas vrai en fait, ils sont tous les deux morts 5 fois, c'est les 5 resets qu'on fait. Donc il n'y a pas de. C'est normal, voilà. Il est mort intentionnel, c'est ça. Allo allo, allo. C'est Gekuri au micro. Bon, bah c'était pas mal du tout. Et bah j'espère que ça vous a plu. De quoi ? J'espère que ça vous a plu au niveau de la run et des commentaires. C'était parfait. C'était parfait. Nous, bah, on va. Ouais, bah, merci beaucoup pour ton commentaire. Nous, on va faire la pub habituelle. Faites des dons. Bah, du coup, moi, je vous retrouve plus tard pour Sonic 2, un petit peu plus tard dans la soirée. Voilà, voilà, tout le monde. Ça marche. Ouais, tout à l'heure, juste après, c'est Sonic. Sonic, je sais plus comment il s'appelle, Sonic. D'ailleurs, je l'ai jamais Triple vu. Trouble. Ouais, voilà.
Triple Trouble, c'est la version Game Gear, si je dis pas de bêtises. Et ce sera commenté. Ce sera commenté par Swift, si je prononce bien. C'est ça. Donc on enchaîne le Sonic, là. Sonic Triple Trouble, Sonic Advance et Sonic 2. Moi, je reviendrai pour Sonic 2. Voilà. Parfait. Alors qu'on buffer en source, c'est génial. Nous allons rester en high. Oui. Voilà, voilà. Bon. On va faire monter Swift. Et ben je vous laisse du coup, moi je reviens plus tard. Des bisous, merci. Bon courage pour les prochains commentaires. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Hop là, bonsoir Swift. Bonsoir, rebonsoir pour ceux qui étaient là avec nous cet après-midi. Oui, c'est ça. S'ils sont rapides sur le GDoc pour changer les titres de jeu. Donc Sonic Triple Trouble, avec mon anglais magnifique. Alors celui-là par contre je connais pas du tout, personnellement. Bah, c'est un jeu qui est pas très très connu, il est sorti sur Game Gear en quelle année, je sais plus. Mais oui, mais ça reste un jeu très bien. Quand je vois les notes qu'il a eues à l'époque, c'était un jeu qui a été bien accueilli. C'est un peu le... Il est considéré un peu comme le Sonic 3 de la Game Gear, parce que c'est à peu près la même façon de construire les niveaux, c'est-à-dire que le méchant c'est Knuckles, enfin le méchant entre guillemets, puisqu'il se fait berner par Robotnik aussi. Le salaud. Exactement, le saloupio. Et donc là, on va partir dans un petit. Une partie Sonic jusqu'à minuit où on retrouvera Zelda à minuit 20, normalement. Tout se passe bien. Donc pour vite fait. Vous dire la date de sortie du jeu. Donc le jeu est sorti, oui, en 1994 sur Game Gear. La Game Gear, la console où si t'avais pas un stock de piles, c'était même pas la peine d'y penser. Je l'ai pas eu, mais il paraît qu'elle avait pas une autonomie de fou, cette console. Console portable, donc, mais pas après... trop. Ah ouais? Bah ouais, avec toutes les piles et tout, enfin bref. Le jeu a eu une ressortie en 2005 sur PlayStation et GameCube, et je crois que c'est la version GameCube. Si je dis pas de bêtises, si je me fie au GDoc, ouais. C'est la version GameCube qui va être renée ce soir par Bertine ou Bertin, je pense que c'est Bertine, vu que c'est American. Donc c'est un jeu où on a le choix de contrôler Sonic ou Tails, un peu comme dans Sonic 2, et la run sera une run de Sonic, tout simplement. Ouais 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 ouais. En tout cas, vous êtes toujours sur le Summer Games d'Homme Quick 2015. Bourrez les dons pour les défis. Je les ai pas sous les yeux, mais ça doit. Ah, si, ils sont là. Le Fire Emblem de karaté. Pour Pokémon et Bulbizarre. Et Wind Waker aussi. On a l'air pas trop mal placé. Et avec 357 000 dollars de dons. Donc, bourré. Et je reviendrai vite fait pour le petit point timer habituel, histoire de voir si on est bien calé. Et on est synchro. Non, je ne suis pas crevé, je vais me réveiller. Petit setup qui devrait pas être très long, normalement. Mais non. Donc le jeu n'est pas très très long. La run est estimée à 25 minutes, mais je pense que ça sera plus 20 minutes que 25 minutes. Même si cette année, je trouve que les estimates sont assez serrés. Il est vraiment beau le perleur Sonic, là on le voit à l'écran. Ouais. Il est stylé. C'est le skin de Sonic 3, de mémoire. Je crois, oui. Ouais. J'ai vu passer quand tu m'en as parlé, donc j'ai pas pu le voir en... C'est trop vite. 200 kilos avec les piles, la Game Gear. Non, mais c'est totalement ça. Si t'avais pas de piles ou pas de secteur, console portable, tiens, vas-y.
Sengekuri Sleep No Space. Biff, je t'aime. J'ai pas connu cette console, la Game Gear. Je sais pas si elle a eu un grand succès ou non. Ah mais je veux ce Perleur. Ah ouais. Mais il y a aussi la team Perleur qui fait des Perleurs forcément. Vous pouvez voir la liste des Perleurs disponibles, c'est avec la commande point d'exclamation SGDQ Perleur, ER à la fin. Et vous pourrez voir donc les Perleurs proposés par la team Perleur, ça fait beaucoup Perleur dans mes phrases. Et c'est à partir de 3$ de don, si je dis pas de bêtises, et pour ajouter la balise entre crochets FR. C'est où déjà? Je m'en souviens plus. C'est, je crois dans la description du don, ou je ne sais plus exactement. Ah oui, mettre votre pseudo Twitch pour qu'on puisse vous retrouver à ce moment-là. Avec un setup qui s'éternise. Ouais. Un petit tandis que un homme vient de s'allonger sur le canapé. Le canapé des joueurs. Je pense que c'est Bertin. Bertin. We have a $10 donation from Mackenzie Bellatio who says, I love AGDQ so much, or rather us GDQ. Donc on en profite pour vous rappeler qu'il est important de donner pour Médecins sans frontières au travers de CGDQ 2015 ou tout simplement en faisant des dons. Et donc quand vous le souhaitez, pour représenter l'événement, le SGDQ 2015 et cette année, comme chaque année en fait, réunit. Énormément de runners sur différents jeux pendant toute la semaine, non-stop. Et tous les dons récoltés par l'événement est reversé à la fin du marathon à Médecins Sans Frontières. Et on est déjà à 357 733 $ de dons. Des dollars. Visiblement, ils sont pas loin d'être prêts. Says Freedom Planet is a Sonic game, right? So let's get some mean bean machine to keep it going and 100% Chrono Trigger because it'd be nice to finish be a nice finish to the event. Go Team Lila. Ah, on a un invité qui arrive. Ah. Bonsoir. Comment ça va? J'en ai de la bière. Quand même hein. On peut faire la fête. Ouais, ça voilà. Ah putain, Iwata premier à $3000. Bah on attend la fin du setup pour le fameux point timer. Ah, c'est qu'il y avait le son. Bah oui. Bonsoir, incroyable. Ils sont en setup là ? Ouais, c'est toujours un setup. On va couper très 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 rapidement. Le 60 FPS revient enfin.